Wow! Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Mes frères et sœurs, si vous êtes en vie, bénissez Dieu. Levez les mains vers le ciel et dites Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout à mes frères et sœurs. Parce que vous, la vie que vous avez, c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes même en vie, à l'heure même où vous regardez cette vidéo, c'est que c'est Dieu vraiment qui est avec vous. Si vous êtes sorti de la maison, vous avez fait tout ce que vous avez envie de faire, et vous êtes revenu à la maison sain et sauf, mes frères et sœurs, mais remerciez sérieusement Dieu. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de vous dire toutes ces histoires. Quand sommes-nous aujourd'hui, mes frères et sœurs? Nous sommes le samedi. Et comme tous les samedis, les gens sortent pour faire des courses. Et nous, bizarrement, aujourd'hui, nous avons besoin d'acheter un nouvel équipement pour renforcer la défense de Nyans Reborn, c'est-à-dire un nouvel équipement pour protéger notre caméra. Vous voyez? Voilà la caméra que je tiens dans la main. C'était Samsung Galaxy Note 8. C'est ce que nous utilisons pour faire les vidéos. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et pour acheter cet équipement, il faut se déplacer. Il faut aller dans un endroit un peu plus éloigné de là où nous habitons. Ça veut dire que emporter un véhicule. Ou si tu es véhiculé, tu vas traverser l'autoroute jusqu'à arriver jusqu'à là. Là-bas, c'est un endroit où on vend uniquement des appareils haut de gamme. Vous voyez? Donc, nous sommes arrivés là-bas tranquillement. Mais quand je suis descendu du véhicule que j'ai emprunté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué que au carrefour, là, le feu du carrefour ne fonctionnait pas bien. C'est un feu tricolore. Et nous savons tous comment les feux tricolores fonctionnent. En fait, le feu tricolore passe au vert. Et quand c'est au vert, les véhicules peuvent passer. Il n'y a pas de problème. Quand ça passe au rouge, plutôt à l'orange, c'est juste pour signaler aux véhiculés ou encore aux personnes qui sont à véhicule que il est temps de commencer à ralentir parce que le feu va bientôt passer au rouge. Et quand ça passe au rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous accélérez ou encore vous ne respectez pas les règles, il risque d'avoir accident. Le rouge est là pour symboliser quoi? Le sang. Voici ce que ça passe, voici ce qu'on nous apprend quand on va à l'auto-école. Vous voyez? Voilà, lorsqu'on passe notre permis de conduire. Moi, j'ai appris tout ça aussi. Si je me trompe, réussissez à partir du commentaire et dites-nous ce que ça veut dire concrètement. Nous sommes là pour apprendre. Mais aujourd'hui, là, ce qui s'est passé là, c'est un truc que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Les images seront là. Vous les verrez. Ce que j'ai vu, j'ai pu prendre en photo. Vous les verrez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand je voulais traverser ce carrefour là, ce que j'ai remarqué, c'est que, effectivement, le feu tricolore était là. Ça dit tout était en position, mais le feu était juste bloqué sur le orange, la couleur orange. Genre pour demander à ceux qui sont véhiculés de ralentir. Mais le problème est que ce feu tricolore là était en panne. Ah! Le feu tricolore en panne. Et quand le feu tricolore en panne, qu'est-ce qui se passe? C'est une grande route. Il y a beaucoup de véhicules. Et les véhicules roulent à grande vitesse. C'est comme on peut dire même que c'est une autoroute. Mais il y a une fin. Il y a ce qu'on appelle la limitation. C'est-à-dire quand vous arrivez, c'est-à-dire l'autoroute prend fin à un carrefour. C'est-à-dire un carrefour, ça s'arrête là. Voilà, il y a un carrefour qui est là et il y a un feu pour vous dire, et il y a un panneau même qui indique que à ce niveau-là,
vous devez limiter, vous n'êtes plus sur l'autoroute, ça prend fin ici. Vous devez carrément limiter la vitesse. Voilà, et un feu qui est là. Mais ce feu-là ne marchait pas. C'était bloqué sur le orange, comme nous sommes en train de vous dire. Et tout le monde, les passagers veulent passer. Les gens à véhicule aussi veulent rouler à grande vitesse. Et le feu ne fonctionne pas. En ce moment-là, toi, tu dois être vraiment intelligent et savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu dois être plus prudent que prudent. Parce que ceux qui vont passer là, eux roulent à grande vitesse. Nous sommes comme sur une autoroute. Donc, faut traverser avec vigilance. Et nous étions au feu. On a juste regardé la route pour voir s'il n'y a personne qui ne passe. Et nous allons juste traverser la route là comme ça et partir. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, tranquillement, j'ai traversé la route avec prudence, y compris tous ceux qui étaient avec moi. Donc, après ça, je suis tout simplement allé faire mes courses. Et je prenais du temps à rechercher l'appareil qu'il me faut, encore l'équipement qu'il me faut. Par rapport à ce que je recherche, il faut que ce soit bon. Parce que j'ai fait beaucoup d'achats, il y a certains qui n'étaient pas bien, donc je prenais mon temps dans le supermarché. Quand je vais maintenant entrer dans un grand magasin pour demander le prix d'un nouveau casque et d'un nouveau ordinateur portable que je compte acheter en 2019 pour renforcer encore la défense de Nyans Rupon. C'est-à-dire l'équipement, l'équipe Nyans Rupon a besoin de ces équipements-là. Et voici que, pendant que je suis en train de demander le prix, tout ça, comment c'est, comment ça se passe, c'est à ce moment-là j'entends le bruit d'une voiture à grande vitesse qui tente de freiner. Tu entends? Boum! Dès qu'on a entendu ça net, tous ceux qui se trouvaient là, puisque c'est proche d'un endroit fréquenté par beaucoup de personnes, on voit les équipements, les appareils, c'est-à-dire les produits high-tech. Et c'est là, c'est-à-dire à ce rond-point-là, qu'il y a eu un accident grave. Moi, je ne savais pas ce qui se passait là-bas, mais je ne pouvais pas courir en même temps que les gens allaient pour voir. Puisqu'il y avait déjà les gens sur place, je pense qu'ils vont gérer la situation en attendant que je finisse rapidement les courses avant d'aller voir. Car de telles situations, mes frères et sœurs, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention. Vous-même, soyez vigilants. Soyez très vigilants ces temps-ci. Et quand j'ai fini la course et que je suis sorti de là, c'est à ce moment-là que je vais entendre quelqu'un parler, quelqu'un dire, mais le feu tricolore ne marche pas depuis 2 jours. On appelle les gars là pour venir arranger, ils sont là et tout. Maintenant, voici, il y a eu accident maintenant. Quelqu'un est tombé là-bas. Il est couché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à ce moment-là, moi je suis sorti et à distance je pouvais voir au moins, je pense que 3 véhicules. Il y a eu accident. Je me demande même s'il n'y a pas eu. Il me semble qu'il y avait aussi un motard. Mais ce que je pouvais voir, c'est qu'il y avait un homme qui était couché sur le sol. Cet homme-là, il était comme mort. Et ce que nous allons vous montrer là, c'est ce que nous avons pris en photo à distance. On ne pouvait pas se rapprocher puisque c'était sur une grande voie. Donc on ne peut pas se rapprocher. Regardez, bon, suivez-nous, nous allons au studio. Nous allons essayer de vous montrer ça pour que vous puissiez bien voir, ok? Voilà. Sans doute si vous avez regardé la miniature de cette vidéo, sans doute vous avez déjà vu. Mais vous, soyez vigilants. Même s'il y a un feu, même s'il y a un feu qui régule la circulation là, routière là, faites toujours tout de même attention. Il y a des freins qui lâchent. Il y a des gens qui roulent à grande vitesse comme ça sur l'autoroute. Et puis le frein lâche. Soyez prudents et priez avant de sortir de la maison, mes frères et sœurs. Je vous en prie, priez. Demandez à Dieu de vous conduire, de vous accompagner dans la journée là, qu'il soit au contrôle de tout. Ce que vous allez voir va vous étonner. Il y a un grand nombre, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes qui vont tout simplement venir à s'entasser là, c'est-à-dire regarder la scène pendant que d'autres véhicules seront en train de passer. Là, nous préparons l'ordinateur. Vous allez voir, regardez, c'est déjà l'écran. Vous voyez déjà, nous préparons les images pour que vous puissiez bien voir. La caméra ne va pas tourner, mais ça sera de face comme ça. Vous allez voir, regardez à l'écran,
Mes frères et sœurs, regardez ça. Ça s'est passé il y a quelques heures seulement. Il y a juste quelques heures. Que voyez-vous, mes frères et sœurs? On voit des véhicules qui passent et les véhicules qui sont là ne passent pas pour rien. C'est un carrefour. L'autoroute est de l'autre côté et le feu tricolore se trouve juste à quelques mètres. Et regardez l'accident. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez. Et les gens sont même là en train de regarder ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Regardez bien. Waouh, c'est assez inquiétant. Et quand j'ai pris la photo suivante, vous avez vu que regardez comment les véhicules sont en train de passer maintenant. Vous voyez comment les véhicules sont en train de passer? Waouh, regardez encore. Regardez bien. Là, j'ai pris une autre photo. Et regardez ce que c'est. Les gens sont entassés là, juste au milieu, en train de regarder ce qui se passe, pendant que les véhicules même sont en train de se frayer un chemin pour pouvoir passer. Ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Les gens se disent que nous sommes pressés, on doit partir. Nous sommes pressés, il n'y a pas de temps. The time is money. C'est ce que les gens disent. Le temps, c'est de l'argent. Nous sommes pressés, on doit partir. Laissez-nous traverser, laissez-nous partir. Et chacun veut dépasser l'autre. Et regardez ce que ça crée. Les hommes sont trop pressés. Les hommes sont plus pressés même que Dieu. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Regardez comme les gens sont entassés là. Et c'est réel. C'est pas de l'invention. Regardez, c'est aujourd'hui ce qui s'est passé. Et nous avons pris en photo tout ce qui s'est passé là. Regardez vous-même. Les véhicules sont traversés. Et ils passent. Chacun traverse et ça passe. Qui aurait cru que cela arriverait? Personne. Personne ne s'y attendait. Mais il fallait s'y attendre aussi. Parce que le feu tricolore qui était là, qui régulait la circulation, était aussi en panne. Mes frères, ça vous avez vu? Vous avez vu maintenant? Est-ce que vous avez vu ce que nous venons de vous montrer? Est-ce que vous avez vu? Et bien sûr que oui. Maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est que quand nous allons présenter la vidéo, nous allons montrer quelques images ou même des vidéos comme hier pour vous montrer concrètement ce qui se passe. Mes frères et sœurs, j'ai traversé la même voie que ces personnes qui ont eu des accidents. Et Dieu m'a permis d'être en vie. Ceux qui sont en vie, mes frères et sœurs, c'est Dieu. Dites merci à Dieu pour moi aussi. Merci vraiment à Dieu. Moi-même, je bénis Dieu. Éternel, mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci infiniment. Ah, on ne peut pas pour revenir. Tu ne peux pas mourir. Allez voir ce qui se passe après la mort et revenir. Et qui souhaite mourir? Personne ne veut mourir. Et tout le monde va aller au paradis. C'est à ce moment-là. Toi, tu dois vraiment avoir Dieu dans ta vie, quoi. Dieu va te protéger de tout ce qui se passe vraiment bizarrement. Est-ce que nous sommes en décembre? Nous sommes même en janvier. On a même traversé le mois de décembre, là où on dit qu'il y a les sorciers qui viennent pour attaquer les gens. Bon, aujourd'hui, en janvier, là, il y a eu accident. Avant d'entrer en janvier, dans 2019, il y a eu même accident encore. C'est pas dans le même lieu, mais c'est quelque part. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Dès qu'il y a un problème au feu tricolore là, faites tout pour régler le problème. Vous pouvez même appeler un agent de la police pour réguler la circulation. Il vient juste se positionner là, au bon milieu, en attendant que ça soit réglé le problème, soit résolu. Mais rien n'est fait. Et les gens sont là, ils regardent la situation. Maintenant que quelqu'un, il y a eu un accident, quelqu'un est mort là. C'est là maintenant les gens vont s'empresser pour venir essayer de faire quelque chose. Mais ils sont morts. Il y a eu d'abord mort d'homme. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que c'est beau à voir? Quand le diable fait des sacrifices là, parfois il y a des choses pareilles comme ça qui arrivent. Et le diable veille à ce que
les gens même qui doivent venir régler le problème là-même, ils soient assoupis ou bien ils soient occupés à faire d'autres choses. Rien que pour que quelqu'un meure. C'est quand quelqu'un va mourir, c'est à ce moment-là qu'ils vont venir maintenant pour régler le problème. C'est à ce moment-là que nous devons comprendre que nous devons vraiment prier pour la population, prier pour le pays où nous nous trouvons et prier pour nos frères et sœurs. Si nous sommes en bonne santé, vraiment c'est bien. Partagez cette vidéo à tout le monde, à toutes vos familles. Et si tout le monde a envie, dites merci Seigneur parce que tout va bien chez nous. Et bénissez Dieu. Si vous allez à l'église, allez à l'église demain. Dites merci Seigneur parce que vous êtes en vie. Parce que la vie que vous avez, ce n'est pas une habitude. C'est que la grâce de Dieu. C'était la chose que j'aimerais partager avec vous. Dieu nous a préservé d'un grand danger comme ça. Et nous pensons que c'est extraordinaire. Merci Seigneur pour tout. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche. Parce que notre vidéo va suivre. Nous venons d'arriver et nous reprenons le boulot petit à petit. Soutenez-nous en cliquant sur les j'aime et en partageant nos vidéos. Et si vous voulez également vous abonner sur nos deux autres chaînes, vous pouvez cliquer sur Yann Soubonne. Vous aurez accès à la page d'accueil. Yann Soubonne 2 et Yann Soubonne 3. Abonnez-vous pour nous soutenir. Que Dieu bénisse frères et sœurs. Surtout, priez beaucoup avant de sortir et pour nous soigner fou. Regardez à gauche et à droite avant de traverser la route. Même si un feu tricolore, même si vous savez conduire un véhicule, confiez votre vie entre les mains de Dieu. On nous a dit que le plus grand nageur, il est mort dans une piscine. Et lui, il nage dans l'océan, il n'a rien. Il nage dans la mer, il n'a rien. Dans la lagune, là même, il dort même dedans. Mais c'est dans sa piscine, il est mort. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si on est fort, il faut vraiment faire attention. Pour nous, c'est de fou.